Adèle Exarchopoulos a obtenu la Palme d'Or grâce à Steven Spielberg. Tu le savais pas? Attends, je te raconte. La Palme d'Or est généralement remise aux réalisateurs ou réalisatrices de films, et pourtant, Adèle Exarchopoulos est devenue la plus jeune actrice de l'histoire à remporter une Palme d'Or, mais aussi la seule, avec sa partenaire de jeu, Léa Seydoux. C'est à l'âge de 20 ans qu'Adèle Exarchopoulos s'est révélée au grand public grâce à son rôle dans La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Ce film est présenté à la 66e édition du Festival de Cannes et a remporté la Palme d'Or, qui revient normalement directement aux réalisateurs. Mais Steven Spielberg, qui présidait le jury cette année-là, a surpris tout le monde en demandant une dérogation spéciale pour que le prix soit également remis à ses actrices, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que l'actrice n'a compris que le lendemain de la cérémonie qu'elle avait gagné un prix. En vrai, c'est fou, mais c'est vrai.